octobre, début novembre. Donc, nous avons décidé de nous retirer du traité sur la charte de l'énergie. D'abord parce que c'est cohérent avec les positions que nous avons prises et en particulier avec l'accord de Paris et ce qui en découle. Et ensuite parce qu'il ressort de plusieurs cas récents que cette charte et le traité qui s'en suivait conduisaient à des mécanismes là aussi un peu spéculatifs et à des indemnisations importantes de certains acteurs. Et donc nous nous mettons en cohérence avec les textes qui sont postérieurs et avec la stratégie qui est la nôtre. Est-ce que cela entraînerait immédiatement un engagement militaire plus important de la France ?